L'archipel d'une autre vie, c'est l'histoire d'une chasse à l'homme. Quatre soldats sont à la poursuite d'un fugitif, mais on se rend très vite compte que le méchant n'est pas celui qu'on croit. Ce livre nous amène en URSS, très loin, très haut, dans l'extrême-est du LRSS, proche de la taïga, au début des années 50, les dernières années de la terreur stalinienne. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est une aventure humaine, c'est un thriller psychologique, c'est un roman naturaliste parce que la taïga tient une très grande place. Une très belle histoire d'amour. Et c'est surtout, surtout un hymne à la liberté. L'archipel d'une autre vie, c'est un livre à lire absolument. Cultura.